Bonjour, je m'appelle Angélique, je rentre dans la vie active, comment je fais pour louer un appartement ? Eh bien, faut pas baisser les bras, ça va pas être très facile vu la crise du logement actuelle. Il faut être de préférence tout de même en CDI. Ensuite, il sera fort possible qu'on lui demande une caution familiale, par exemple. Ou bien qu'elle essaye de voir si elle peut constituer un dossier de type FSL-GRL qui permet justement, qui a été créé pour permettre aux jeunes de dépasser le seuil des 33% qui évite les trois fois le salaire. Et puis peut-être aussi pour finir, commencer par un studio plutôt qu'un deux pièces si on lui propose que cela.